bon Dieu, nous venons faire un compliment. Bon Dieu, nous venons dire où nous comptons pour toutes sortes et faire pour nous. Bon Dieu, nous venons faire un compliment. Bon Dieu, nous venons dire où nous comptons pour toutes sortes et faire pour nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bon Dieu, nous venons dire aux gens contents. Bon Dieu, nous venons faire au compliment. Parce qu'on est digne pour recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Pour sacrifice, nous sommes capables de vivre pour côté bon Dieu. Tant qu'il y a une offrande qui est agréable, en un commencement de célébration, ça reconnaît toutes les fois que nous pas bon devant bon Dieu. Pour toutes les fois qui est mal, pour toutes les fois que nous virons deux par lui, on demande lui pour les gagner pitié pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je suis venu dans le monde appeler tous les pécheurs. Je suis venu dans le monde pour sauver l'humanité, Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Je suis venu dans le monde l'espérance. Je suis venu dans le monde pour apporter la paix. Et les sons, Christ et les sons, Kyrie eleison. Ensemble, le Seigneur, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, les versets 1 à 20. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de faire prisonnier et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de cette doctrine, hommes et femmes, qu'il découvrait. Comme il était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Il entendait la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur l'appela. Anani, il répondit. Me voici, Seigneur. Le Seigneur reprit. Lève-toi, va dans la rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme appelé Saul de Tarse. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme de nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit, Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem. S'il est ici, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus, celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, il retrouva la vue. Il se releva et il reçut le baptême. Puis, il prit de la nourriture. Il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours après les disciples de Damas et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Nous allons prier dans le psaume 116 et nous chantons ensemble. Allez par le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Allez par le monde entier, annoncez. Fêtez-le tous les pays. Allez pour le monde.
entier annoncer la bonne nouvelle. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Qu'il vous plaise de vous lever pour acclamer l'Évangile. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, qu'il soit loué pour tout, sans cesse jusqu'au bout, gloire. La sagesse a préparé la table. Venez et mangez le pain de la vie. Mangez et buvez à la table de Dieu. Allez, alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, qu'il soit loué partout, sans cesse jusqu'au bout, gloire au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même aussi, celui qui mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'il soit loué pour tout, sans cesse jusqu'au bout, gloire au Seigneur. Nous toujours.
toujours dans Jean chapitre 6. Donc le fameux discours de Jésus sur le pain de vie, le pain véritable. En effet, la chair et le sang de Jésus sont la vraie nourriture. Quiconque mangera de ce pain, de cette chair, a la vie éternelle. Quiconque cherche à boire de ce sang, de ce vin, a la vie éternelle. Celui qui mange la chair de Jésus, Jésus demeure en lui, et lui demeure en Jésus. C'est discours ça que Juif n'est pas capable d'entendre. Comment Jésus fait dire la bayo col pour manger, sans pour boire. Finalement, il a demandé yo, est-ce que c'est cannibale? C'est cannibale qui compte manger commun, qui compte manger cher moun, qui boit sans moun. Donc, discours ça, je ne suis pas capable d'entendre. Et bien que nous, de nos jours, c'est presque des actions qu'on a répétées. Des gens qui par peur fin tuer yon moun et puis prend corps moun nan pour manger. Nous connaissons ça dans le pays d'Haïti. Côté bandi yo prend moun fin tuer yo et puis arracher poignet yo, arracher jambe yo, en partie dans corps yo, puis a fait vidéo poster manger moun nan. C'est pas qu'un cannibale. Prends moun nan, boucanel, fais vidéo, rachez la manchette. Et puis pour t'y partir dans quoi moun nan, mangez-le. C'est pas qu'un horrible. Peut-être, je fais ta pensée que les Jésus dit, comme, prends-le, mangez-le, n'a la vie. Je pense que c'est racher corps Jésus cher là pour manger. Et pourtant, c'est Jésus, c'est pas ça qu'il t'a parlé. Quand ça t'a livré, t'es baillé sous quoi? Quand ça, les baillé à potio, je dis ça. Pour le dire, faites ceci, en mémoire de moi, prenez et mangez, prenez et buvez. C'est de quoi ça? De sang ça, qui c'est propre cher pâle, qu'il t'a pris le bail en sacrifice de la croix pour que nous capables de la vie. Je suis habitué avec la manne. Parce que, avec Moïse, je suis obligé de passer pratiquement 40 ans dans le désert là. Et puisque dans le désert, pas pour du rien, pas de bois, pas de fruits, donc pas de rien. Bon Dieu, tu as pris la responsabilité pour le bail peuple ça manger pendant 40 ans. Peuple a mangé la manne dans le désert là. Mais, ils ont mangé la manne, son nourriture matérielle, corporelle. Ils ont mouru par la suite. Et ça fait Jésus a précisé pour dire, ce n'est pas tant que la manne, ancien, grand-parents nous ont mangé dans le désert là. Parce que fin de manger, ils ont mouru. Son nourriture matérielle. Son nourriture qui a nourri. Quoi? Mais Jésus a dit, pain ça m'a le banouan, c'est propre comme pam. Sans ça, c'est propre sans pam. Et quel que soit le monde qui mange, qui boit, il y a la vie qui n'a jamais fini. Parce que m'a fait yon seul avec yo. D'où le verbe demeurer. M'a prêté dans yo. Il aura prêté dans moi. Donc, nous avons une faune, une clotte. Parce que quoi ça? Cher ça, c'est une nourriture spirituelle. Et c'est quoi ça, frère Mzem, nous inviter, nous recevoir? À chaque fois que nous approchons votre table, nous mettons là pour nous recevoir le corps du Christ. Mais, à chaque fois que nous recevons quoi ça, ou fayons seul avec bon Dieu, pas jamais.
de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui ont recommandé cette messe, sur tous ceux et toutes celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance, de mariage. Nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Yeah.
mon sang de la vie. Vous aurez la vie, la vraie vie éternelle. Vous aurez la vie, la vraie vie éternelle. Le pain de l'amour, venez manger mon corps qui donne vie. Venez buvez mon sang de la vie. Chambre 60 chantait toute ma vie enfin pour moi. Moi était tout petit, vous n'avez pas l'air. Moi pas chambre 60 chantait toute ma vie enfin pour moi. Moi était tout petit, vous n'avez pas l'air. Merci mon Dieu, merci papa, merci en plus. Merci en prie. Moi, t'as aimé toute la vie, tout est louange pour mon Dieu, et puis je n'ai choisi et tout en étant. Moi, t'as aimé toute la vie, pour mon Dieu, et puis
journée chantilla et tout en y étant. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci papa, merci papa, merci en pire. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci papa, merci papa, merci en pire. Ensemble, le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Sainte Vierge Marie. Ensemble, en ce mois de mai qui vous est consacré, je viens à vous avec amour, confiance et espérance, afin de vous remercier pour votre amour maternel et pour toutes les grâces que vous m'avez obtenues de votre Fils Jésus. Je viens m'offrir et me consacrer totalement à vous, Sainte Mère, comme votre enfant, votre bien et votre propriété. Je suis tout à vous, Sainte Mère, et je veux rester à votre service et à celui de votre Fils. Enveloppez-moi de votre manteau. Gardez-moi sous votre constante protection. Délivrez-moi des dangers de tout mal. Assistez-moi dans mes besoins spirituels, matériels et affectifs. Mère chérie, j'ai besoin de vous dans ma vie, ma famille, mes projets, mon église et mon pays. Restez avec moi. Et priez pour moi aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Prière pour la radio de l'Alta Grâce. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la radio de l'Alta Grâce que tu nous as donnée et que tu as donnée à ton Église. Comme instrument d'évangélisation, nous te demandons de répandre ta bénédiction sur tout le staff de la RTA, les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs, les téléspectatrices et sur toutes les autres personnes qui apportent leur contribution et leur soutien à la radio télé Alta Grâce. Continue, Seigneur, de te servir de la radio de l'Alta Grâce pour faire connaître ton évangile, donner le réconfort, la guérison, la conversion, la paix et la joie. Accorde à tous ceux qui écoutent et qui auront à écouter ta parole la grâce de grandir dans la foi et de s'attacher totalement à toi. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance et j'espère. Notre-Dame d'Alta Grâce. Grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église là. Demain, enfin, jeudi, c'est le deuxième jour de Tridium. Radio Télé Alta Grâce, pour la fête de la radio Télé Alta Grâce. Nous avons gagné prière avec les prêtres hier soir.
Et à ce encore, on a gagné prière avec les prêtres. Il y a plein de monde qui était branché, il y a des centaines de monde qui était branché, plus que 1000 monde. Nous invités, nous, pour nous capables de brancher à ce encore, parce qu'on a gagné la prière avec Payo, à ce avec l'RGA, à partir de 8 heures. Venez la prière ensemble avec nous, brancher, et la prière, bon Dieu, pour qu'à travers le canal l'évangélisation, ça en pile grâce, capable de descendre, capable de tomber sous nous, et que bon Dieu capable de là avec nous, la caille nous, il est capable de demeurer dans nous, tout comme il demande nous pour nous-mêmes nous demeurer dans le lit. Gainville frère nous actionnons qu'à célébrer l'anniversaire aujourd'hui vendredi 6 mai. C'est le cas de agronome Marcel Augustin à qui nous disons un joyeux anniversaire de naissance. Bonne fête à Basile, Marie-Emmanuel, Michna, Emma, Ségline, Joseph, Véronique, Moreau des Armo, Deramo, Emmanuel Deramo, Florence Estimé, Caïs Ochoa Augustin, Caroline Buisson, Marie-Solange Rodney, Michael Laurent, Sidney Désir Lumen, Christiane Adam Saint-Point, Gabriel Dan Arley, Mérissa, Octave Dorissin, Viviane Thérèse Jean-Marie, Thérèse Calvert, bonne fête à Marie-Ange-Édouard, à Pierre, Rémi, Moïse et à tout l'autre monde qui a célébré l'anniversaire de naissance, de mariage, de communion, de confirmation, de baptême. Nous disons toutes bonne fête. Et maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci, mon Père, pareil. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus ressuscité. Alléluia. Amen. On dit mon Dieu merci. Alléluia. Amen. Jésus ressuscité.